Eh bien bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, c'est KiriTalkNight064, j'espère que vous allez bien, parce qu'on se retrouve une nouvelle fois pour la suite de votre let's play sur Sword Art Online Fatal Bullet. Donc les aventures de KiriTalkNight, Kitty et son ami d'enfance Kurea dans le monde de Gun Gale Online, le célèbre jeu de tir massivement multijoueur avec une dimension RPG. Bien sûr, tout ceci n'est que le contexte de l'histoire. Je rappelle qu'il s'agit principalement d'un jeu solo, mais ça, si vous suivez ce let's play, vous le savez déjà. On est parti. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je n'ai pas d'objectif actif. D'objectif actif, tiens, je fais des rimes en début d'épisode, ça commence bien. Aïe, aïe, aïe. Tout va bien se passer, cet épisode commence plutôt bien. Attendez, mais ça serait pas... Ah, je vois qui c'est, ça y est. じゃあ、また今度。浅田さんが都合がいい時に。お願いだからシノンと呼んで。リアルの名前を呼ぶのはマナー違反よ。ごめん、つい。でも僕はシノンに進化は君って呼ばれたら嬉しいけどな。個人情報を漏らすのはまずいよ。誰に聞かれるかわからないんだから。 そうだね。そういう警戒心が強いところ。ここっぽくていいな。私はそんなんじゃない。相変わらず変な課題評価をするのね。 Je me demande s'il aura le même rôle que dans l'anime. À peu près. Sinon, この人たちは? 最近できた友達よ。 Bonjour, je suis KiriTalkNight. Hajimemashite. Boku no avatar mei wa Spiegel. Shinon to wa real de nagai tsukiai no kankei nan da. Masaka GGO de auto wa omowanakatta wa. Sonna hanashi mattaku kiite nakatta mono. Shinon wo bikkuri sasetakute ne. Sore ni boku wa wakatte ita kara. Itsuka kitto シノンがここに来るって。むしろ意外だったのは銃のことだよ。VR空間なら平気なんてどういう理屈なんだろう。その話はやめて。人に聞かせる話ではないわ。ああ、ごめんごめん。そうか。この人たちは知らないんだね。シノンの過去。じゃあ。 Spiegel, retenez ce nom parce que je sens qu'on risque de le voir pas mal. Spiegel, そうなんだ。話の感じから私たちみたいな幼馴染かと思っちゃった。違うわ。あるゲーム、もう終わっているんだけど、そこでキリトやアスナ、リーファたちと出会ったの。彼、シュピーゲルと知り合ったのは、そのゲームを終えた後だから。地元の図書館で顔見知りになって、何度か話すようになったの。 でもそれだけよ。リアルでたまにお茶するくらい。最近はこうやってゲームでもたまに話したりするけどね。彼は根は悪い人ではないと思う。だけどどこか変に思い込んでいるところがあるから気をつけて。実は GGO に来る前にやっていたオリジンでちょっとトラブルがあったの。
その時は随分キリトたちに助けてもらったわ。今は彼も反省しているっていうから大丈夫だとは思うんだけどね。そうだ、私これからホームでアスナたちと待ち合わせなの。よかったら一緒に行きましょう。いいわね、途中で美味しいお菓子でも買っていこう。賛成、あったかいお茶でも飲みたいわ。はい、et moi un chocolat chaud. Bon, c'est quoi le plan? Ah, mais j'ai un marqueur sur la carte au moins maintenant. Zeliska. Konnichiwa, Rei-chan. Soretto, kounna newbie-san. Kōryaku no susumi guai wa dou kashira? Mama tte tokoro nano desu. Master wa mada newbie nano de. Ouais, comme des bleus, quoi. Tashikani.特別早い進行って様子じゃなさそうね。攻略に求められるのは運より実力だもの。あんまりのんびりしてると SBC フリューゲル解放のアップデートに乗り遅れちゃうわね。まあ、ça serait bête, on va se bouger les fesses. レイちゃんも早くすべてのパーツを集めて本来の機能を取り戻したいわよね。自分のマスターに早く攻略してほしいなんて言いづらいわよね。え、je débute。je débute。on peut pas expliquer plus vite que la musique、c'est pas possible。これだけだと、ただの意地悪になってしまうから、アドバイスをあげるわ。アバシスのパーツは、残影の荒野以外にもあるわ。あなたはまず、各フィールドを解放する必要があるわね。D'accord, d'accord. フィールドの解放条件はフィールドボスを倒すこと。わかりやすくって簡単でしょ？ Attends, on parle d'un boss de zone là? Dit comme ça, ça a l'air tout simple. Je sens qu'on va s'en tirer. Oui, on va s'en tirer. Facile. Ah, でもフィールドボスの攻略が簡単ってわけではないわよ。Ça, je sais.だけど運だけで勝てる相手ではないの。フィールドボスを倒せて初めて脱ニュービーかしら。ひとまずは残影の荒野のフィールドボスを倒して次のフィールド砂に覆われた孤島の解放を目指すといいわ。それじゃあね、レイちゃん、あなたのマスターと仲良くね。T'as les cheveux qui déconnent. La physique de ton personnage est en train de partir en cacahuète, Rei. Kitty, Rei, pareil. Tashikani, Master wa newbie desu ga, Master no jitsuryoku nara daijoubu nano desu. La coupe est en train de me déconcentrer. On va casser la baraque. Eh ben. Allons casser la baraque. En ce qui nous concerne, on va plutôt casser du boss. Donc battre le boss de zone de la grotte du désert des ruines. Mais c'est la zone dans laquelle j'avais pas accès la dernière fois, ça. Ok, donc c'est pas un petit boss de donjon cette fois-ci, c'est carrément le boss de toute la première zone. Donc, on va y aller, on se prépare pas ni rien du tout. Je pense qu'on est suffisamment prêt. Au pire, on va morfler, c'est pas grave. Moi, les préparatifs, c'est pas trop mon truc. Enfin, je sais que si je continue sur cette lancée durant tout le jeu, je risque de me heurter face à un mur à un moment ou à un autre, mais bon. On verra bien quand on sera face à ce mur. C'est pas grave. Allez, on va affronter le boss de zone, peut-être la première. Alors. Peut-être la grotte. Ah oui, à l'autre bout de la map, quoi. D'accord. On va s'y TP de suite.
Ouais, qui dit téléportation dit bien sûr temps de chargement supplémentaire. Mais on va gagner un petit peu de temps parce que j'ai pas spécialement envie de traverser toute la map. Parce que si c'est vraiment un boss de zone, il se peut que le combat dure un moment. Donc on va éviter de perdre du temps sur la map quand même. Parce qu'après, je galère. Aller dans le donjon, ouais. Parce qu'il y a un donjon. D'accord, c'est un boss de zone, mais il est au fond d'un donjon. Moi, je crois que c'était une arène avec un boss. Parce qu'il faut se farcir un donjon, mais la vidéo va durer des plombes. Et je vais encore galérer pour uploader ça après. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a de l'avance. C'est... On va profiter du beau temps de ces derniers jours. Allez. Ennemi ou pas ennemi? Non, il n'y a personne? Si. Niveau 16? Oh, en vrai, je m'attendais à pire. On prend pas de risque. Après tout, donc, ça risque d'être le donjon le plus difficile de toute la zone. Hop. Ah, mais t'es là, toi là. On va laisser Ray s'en occuper. Il est passé où? Je suis un peu loin. En termes de munitions, j'ai fait le plein avant de partir. On est à plus de 5000 balles, donc je pense qu'on devrait s'en tirer. Et j'ai complètement foiré ce que je voulais faire, c'est pas grave. Kitty, Kurea, Itsuki, c'est par là. Je crois, non, en fait. J'en viens là? Non, oui, c'est bien par là, oui. Ouh, j'ai un doute. Bon, avance. Non, on n'est pas passé, non, par là. Itsuki qui raconte des bêtises encore. De toute façon, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Bon, pour la rediffusion sur YouTube, vous risquez d'avoir le petit carré noir en bas à gauche. Mais croyez-moi, les trucs qu'il raconte, c'est pas super important. Et de toute façon, ça se répète tout le temps. Hop. Au pire, je peux toujours rebrancher l'HDP VR2 sur ma PS4, mais... Le truc, c'est qu'il y a tous les branchements à refaire. On va y aller à l'épée. Et son point faible à lui, ça serait pas les voyants rouges, tout simplement. Je suis en train de batailler, mais... De toute façon, il va falloir que j'augmente ma compétence au sabre laser. Pardon, à l'épée photonique. Dans ce jeu, ça s'appelle comme ça, les épées photoniques. Ok. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? PFG, hop. Non, y a rien du tout. Pas de coffre. Je suis déçu. Ta 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 ta. On les attend un petit peu. Bon, ça suit. Wow. Oula, l'embuscade. Ils sont 3, 4. Moi, j'ai passé, j'ai passé. Non, c'est bon. C'est bon. Kitty m'a soigné. Kurea joue bien le rôle du tank. On devrait s'en sortir. Makasete yo. Quoi, sniper? Où ça? D'accord. Coucou. Esquive, esquive. Restez tout le temps mobile.
Coucou. C'est le livreur de pizza. Hop. J'ai eu un tout petit peu peur. Mince. Ouais. Heureusement que ça recharge automatiquement dès qu'on veut tirer. Il y a lui là. Ah, c'est pas vrai, encore à court de balles. Allez, mange ça. Bon, tant pis, tu vas prendre ton suppositoire autrement, c'est pas grave, hein, écoute. Hop. Ah, mais non, mais... Là, merci. Et Itsuki, il sert à quoi? J'ai pas l'impression qu'il se batte beaucoup. Hop. On passe. Ça, c'est la porte par laquelle on est arrivé, non? Pardon, excusez-moi. Toujours le rhume qui passe pas. Oh, ils ont des boucliers, ceux-là. J'ai failli tomber, quel boulet! Faire comme Lucky Luke, on va tirer plus vite que notre ombre. Allez. Est-ce que je peux passer? On va y aller par là. Hein. Allez, achetez-lui d'abord. Tout va bien. Attends, je me suis trompé de bouton. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux de checker cette porte là-bas? C'est sûr qu'on n'y a pas été. Ok, c'est une pièce carrée d'après la carte. Une salle de boss peut-être. Ah, on a bien fait. Un point de sauvegarde. Ou plutôt un point de téléportation rapide. Ben, ça a pas loupé, un boss. Nandato! Viens ici! On va le canarder. Y a pas l'escrime double dans ce jeu, je crois pas. Hein. Les doubles lames, je crois pas que ça existe. Mais ah, j'avais pensé aussi à prendre le boost de corps à corps qu'il y avait dans la boutique. Mais à chaque fois j'oublie. Bon, c'est pas grave. Oui, dans la catégorie objet, il y a un boost de corps à corps. Ça peut être pratique pour l'épée, pour le sabre laser, l'épée photonique. Je vais pas y arriver, décidément. Mais à chaque fois, j'oublie de l'acheter. C'est pas grave. Mais... on va y aller à la bourrée, hein, écoutez. De toute façon, je veux monter mes skills au sabre, donc il faut utiliser les compétences au sabre. Et puis c'est tout. Itsuki a servi à quelque chose. Waouh ! Ce jour est à mettre dans les annales. Oui, non, je l'ai déjà enregistré, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, on va en face. C'est super con à viser. Non, le fail. Non. Boulet. Blaireau. Quel blaireau. Non, pardon. Quel raton. Mais quel raton. Oula. Embuscade. Oula. Non, reste pas là. Kirito, reste pas là. Je vais y passer. Et Kitty, t'es juste à côté, fais un effort toi aussi. Allez. La barre de vie. Ouf. Là, on a failli y passer. Eh ben. J'étais en train de penser à un truc. Étant donné que c'est le boss de toute la zone qu'on va affronter,
Pour marquer le coup, je pense que je vais vous mettre une petite musique officielle de l'anime au montage durant le combat. Donc vous m'entendrez probablement pas parler pendant le combat. Je pense qu'on va faire ça. Ça peut être un peu plus sympa, je le ferai pas à chaque fois, mais au moins pour les boss de zone, ça peut être cool. Après tout, l'anime a pas mal de musique plutôt sympa. Peut-être Gunland, ou alors éventuellement, comment ça s'appelait déjà, She Has to Overcome Ear Fear, un truc comme ça. Ça peut faire de bons thèmes de combat de boss, donc éventuellement pourquoi pas. Bien sûr, des thèmes qu'on entend dans l'arc 2, quoi, dans l'arc Gun Gale Online. Je vais pas vous mettre... Je vais pas vous mettre We Have to Defeat It ou ce genre de combat qu'on entend dans la saison 1, étant donné que on est sur Gun Gale Online. Et non sur Sword Art Online. Je pense que les musiques de l'arc 1 de la saison 2 seront plus appropriées. Je dis ça, pareil, j'ai oublié, mais... Non, ça serait bien d'y penser, ça pourrait rendre le truc un peu épique. Voilà, pensez à ne pas trop parler. Au pire, je couperai tout au montage et je mettrai que la musique. D'ailleurs, en parlant de boss de zone, on y est bientôt, boss, parce que ça fait un petit moment qu'on est dans le donjon. Ennemi volant. C'est pas un coffre que j'ai vu là-haut? J'ai cru voir un truc bleu. Non, j'ai rêvé. Par contre, au niveau ennemi, ils se sont lâchés là. Il y en a partout. Allez, tu as tombé. Voilà. Je pourrais aussi les attraper avec l'UFG, mais... Mais on va perdre un temps plus qu'autre chose. C'est quoi tout ce monde là? Hop 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 hop. C'est bien ce que je disais. Ils se sont lâchés sur les ennemis là. Il y a de l'IA partout. À passer par les coulisses. Coucou, c'est moi. Non, il y a personne. Oh, la treasure box. Hop, on remonte. Bon, alors, comme je l'ai dit, j'ai appliqué du coup la teinture au costume de base. Par contre, ce serait bien si je pouvais avoir un truc qui fait un peu cap. Enfin, je suis sûr qu'on débloque la cape de Kirito après des heures et des heures de farm, donc de toute façon, ça sera pas pour de suite. Et puis, je vois pas l'intérêt d'avoir la même cape que Kirito, en fait. Je rappelle donc que le personnage de Kirito Knight, mon avatar, est censé être inspiré de Kirito, mais avec sa propre identité, quoi. Donc, une tenue noire, un combattant à l'épée, mais voilà, avec son propre style aussi. T'es en train de me coincer là. Ça y est, la caméra qui part. Je m'étonnais aussi. Depuis le début, la caméra est pas trop mal. On n'a pas eu de soucis. Ça y est, là ça commence. Non, c'est bon. Au bout du troisième donjon, fallait bien que la caméra nous parte un petit peu dans les choux à un moment ou à un autre. Mais je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal quand même dans ce jeu. Merci Kitty. Je l'avais vu la treasure box. Allez, c'est bien ce qui me semblait, le truc rouge, c'est son point faible. Allez. C'est vert, la voie est libre. Hop 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 hop. On se calme. Ils sont nombreux, des niveaux 15, des niveaux 16. Bon, pour l'instant, c'est pas non plus. Toi, tu dégages. Non, tu veux pas. Voilà, on fait le ménage. Il y en a plus. Allez, UFG. Hop, on casse pas le rythme.
Toi, t'es foutu. Ah, mais il y a des copains là-bas. Il y a des copains de jeu. Hey, pousse-toi. Ce truc de griffe là, c'est pas mal du tout. Ah, je te vois sur la carte. Il en reste un. Il en reste un en bas. Il est où? Il est où? Mais allez, mais qu'est-ce que vous attendez? Il a même pas perdu sa barre de vie. Il est tombé. Il a fait pouf. Allez, yo. On remonte. Ça y est, la porte est ouverte. Non, ça c'est Final Fantasy, ça. On redescend. On reste sur Sword Art Online. Allez dans la zone du boss. Ah, ben voilà, c'est parti. Allez. On y arrive. On est enfin au boss de zone. À quoi il ressemble? Alors, les paris sont ouverts. Je me fais dézinguer ou je me fais pas dézinguer dès ma première tentative? On verra bien. Ce sera la surprise. Ok, donc on a un point de rapatriement. On va l'activer de suite. Et donc, si je prends le téléporteur, je suis de suite. Wow, c'est très calme. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas un bruit. On part pour le boss. Je le sens moyen. Allez, c'est parti. Et ben, ça s'est très très bien passé. Franchement, j'en faisais des tonnes parce que c'était le boss de toute la zone, mais finalement, cassez pas trois pattes à un canard. En même temps, il en avait déjà quatre. Est-ce que c'est bien par là? Oui, je crois. On a été téléporté directement dans la pièce, donc c'est par là, on n'a pas franchi ce pont. Aller au sablon solitaire. Oui, mais je crois que c'est de ça que Zeliska nous a parlé tout à l'heure. En début de vidéo, elle nous a dit qu'il fallait regagner les sablons solitaires, donc... je pense qu'on est bon, je pense qu'on est sur la bonne voie, écoutez. Eh bien, on va continuer... Oh, mais c'est qu'il est quasiment 30 minutes de vidéo que ça tourne. On va pousser 2-3 minutes encore, mais je pense que... Bon, allez, juste histoire de visiter un petit peu la nouvelle zone. Qui a l'air pas mal. J'aime bien le jeu de couleurs. Ça fait un petit peu penser... Attendez une minute. C'est pas le désert où Kirito affronte Death Gun dans le... Dans la nuit? Ah non, peut-être pas, non, il n'y avait pas de plage, enfin, pas ma connaissance. Quoique... Eh, mais c'est la ville qu'on voyait là-bas. Waouh! Bon, les ennemis n'ont pas trop monté de niveau. Ici, on a des niveaux 16-17, bon, ça devrait aller. Des abeilles.
Non, non, je pensais que c'était la zone où Kirito avait affronté Desgen dans l'anime, mais je crois pas. Quoique c'est possible, hein, y a du sable. Y a du sable partout, il y a l'air d'y avoir des bâtiments en ruine, oh, c'est pas impossible. Et là-bas c'est la ville où on est, c'est le hub, c'est le SBC Glocken. Et je prononce bien. Franchement, j'aime beaucoup le design de la zone. J'aime beaucoup. Les couleurs qui font post-apo, mais un petit peu quand même... disons qu'il y a de la vie, quoi. Il y a de la verdure, tout ça. Ouais, c'est sympa. C'est cool. J'aime bien la direction artistique de la zone. Par contre, comment est-ce qu'on faisait pour... J'ai oublié, c'est pas grave. Bon. Est-ce que j'ai des quêtes? J'ai pas de quête principale en cours, donc je pense qu'on va pouvoir tourner en ville. Parce que je viens de débloquer ça, mais j'ai rien à y faire. Les abeilles à l'épée, c'est pas une bonne idée. N'empêche, je me dis qu'il y a des fois, contre les ennemis volants, Kirito, il doit être mal barré quand même. Bon, même s'il a un petit gun, normalement. Je crois qu'il a un tout petit gun, mais... comme il combat principalement à l'épée, ça doit être un petit peu galère contre les ennemis volants. Allez! Hop! On fait des dégâts, quand même. Pas des masses, mais... 69, 88, 98, j'ai vu passer là. On a fait des bons dégâts. Ouais, en fait, maintenant j'en suis quasi sûr. Je crois que c'est vraiment la zone où Kirito a affronté Desgen. Bon. C'est bien mignon tout ça, mais il serait peut-être temps de retourner en ville, si je me rappelle comment on fait un retour arrière. La zone a l'air grande quand même. Très difficile de juger, mais je vois qu'on a fait pas mal de pas depuis... On a fait pas mal de pas, on a fait cette petite boucle dans le petit sentier là. Hop, demi-tour. Hop, SBC Glocken. Il y a des dialogues d'amis qui se sont mis en haut. La quête principale est en ville. Écoutez, ben on va s'arrêter là et on va démarrer la quête principale directement pour le prochain épisode. Voilà. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on va s'arrêter ici. Wouah, niveau 21, j'ai sauté quand même quelques niveaux là. Kitty pareil, bien sûr. Voilà, si la vidéo vous a plu, pensez à me laisser le petit pouce en l'air qui me fera grandement plaisir. Ça démontre une nouvelle fois que vous aimez quand même le contenu de la chaîne. C'est comme ça vous me soutenez et je vois si vous aimez réellement ce contenu. Comme ça, je peux en sortir davantage, toujours aussi bien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater si cela n'a pas déjà été fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kirito Knight. Right now by your side.